sainte étoile qui nous montrez les cieux. Par vous, Dieu se dévoile, jetez sur nous les yeux. Nous, soyez reine, nous sommes à vous. Fondez votre domaine chez nous, chez nous. Soyez la Madone, on prie à genoux. Pardonne chez nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, aujourd'hui, l'Église fait mémoire de saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église. Au seuil de cette célébration eucharistique, reconnaissons que nous avons péché, confions-nous à Dieu, demandons-lui pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par son désir ardent de sainteté et l'étude de la science sacrée. Accorde-nous de contempler par l'intelligence ce qu'il a enseigné et d'accomplir ce qu'il a lui-même pratiqué. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux, le 11e chapitre, les versets 1 et 2, puis 8 à 19. La foi est le moyen
de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la terre promise. C'est dans un campement qu'il vivait, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui, car il attendait la cité qui aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance, parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer que personne ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir connu la réalisation des promesses. Mais il l'avait vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient pensé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Et Dieu n'a pas refusé d'être invoqué comme leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une cité céleste. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est d'Isaac que naîtra une descendance qui portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu peut aller jusqu'à ressusciter les morts. C'est pourquoi ton fils lui fut rendu et c'était prophétique. Parole du Seigneur. Nous allons ensemble méditer le cantique de Luc et après chaque strophe, nous répéterons. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve de la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice
et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Qu'il vous plaise de vous mettre debout pour accueillir et acclamer l'Évangile. Chante alléluia au Seigneur. Chante alléluia au Seigneur. Chante alléluia au Seigneur. La voix du Seigneur domine les vents et la mer. Le Seigneur domine la masse des eaux. On fait louange pour grand maître là. 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 On fait louange pour lui. On fait louange pour lui. On fait louange pour grand maître là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque comme il était, et d'autres barques le suivaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que, déjà, elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il interpella le vent avec vivacité et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Saisi d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, les disciples de Jésus étaient tout ébahis, tout étonnés à la vue de ce que Jésus a fait. Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent? Là, c'est une question qui étonne. Les disciples, ils ont peur. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, dans un pays où la peur règne. Certainement, si Jésus était là, l'étape fait nous comprendre qu'il est le maître de la paix. Et nous tous, nous avons besoin de la paix. Mais ce qui est intéressant surtout dans l'évangile là, Jésus fait appel à la foi. Il dit, passons sur l'autre rive. Là, ils ont changé de foi, ils ont changé d'opportunité, ils ont changé d'itinéraire. Ils ont allé de l'autre côté. Parce que Jésus, il voulait rencontrer tout le monde, chaque individu, chaque personne
dans la périphérie de son existence. Jésus voulait toucher tout le monde indistinctement. Et c'est pourquoi il dit, passons sur l'autre rive. Yo allez. Et sur l'enmer. L'enmer, théologiquement parlant, qui c'est symbole de tout tumulte, de tout fracas, de toute tête chargée. Vague yo, avec toute sa opoté. Alors, vague l'enmer, avec toute sa l'enmer apoté en dans, il constitue un pile peur. Et sous l'enmer, yo pral rencontrer le vent contraire. Yo pral rencontrer tempête. Tout pour nous dire, chers frères bien-aimés, que dans notre vie, a toujours gagné vent contraire, a toujours gagné tête chargée, a toujours gagné incompréhension, a toujours gagné problème. Mais le gagné problème, il faut nous toujours connaître que Jésus là. Jésus est toujours là. Jésus n'est pas jamais là. Mais ce qui a peur, ça c'est l'humain devant une telle réalité. Face à une telle situation, ou pas qu'à pas peur, ou sous la mer, ou pas qu'on nage, et même sous ta qu'on nage, qualité vague ça, qui ça ti bras sou yo t'es capable de faire. Même sous ta qu'on nage, avec toute sa la mer à bote la donne, bête sauvage, requin, poisson, qui capable de piquer, qui ça ou capable de faire, est-ce qu'on capable de contrecarrer réalité ça yo. Et à ne pas oublier que ces hommes-là, les disciples, majorité dans eux-mêmes, ils étaient des pêcheurs. Ça veut dire plus ou moins habitués avec la mer. Imaginez, devant une scène comme ça, ils sont obligés de relayer Jésus. Et qui est ce relais? C'est Jésus qui relaye, frère, avec ce mieux, parce que ils n'ont pas gagné l'autre monde pour relayer. Parce que ils n'ont pas gagné l'autre monde qui vous sauve. Ils relaient Jésus. Et Jésus tendait un pauvre appel. Et Dieu entend. Le yon pauvre crié, bon Dieu relève. Jésus pral interpellé yo pour li faire yon mette en exergue la foi yo. Yo manque la foi. Qui quantité la foi moins gagne? Qui quantité la foi ou gagne pour avec ce? Est-ce que nous gagnons la foi qui solide? Yon la foi devant situation, devant maladie, devant la mort, qui pas fait nous baisser les bras. Et qualité la foi nous gagne. Et c'est ça, Jésus a touché la caille moins, la caille au matin. Devant un pile tir, devant une tentative de kidnapping, devant en prison sous, devant monde qui a couru. Ou même là, comment cœur bat, qui calme ou bien dans ou bien qui peur cap régné dans ou. Jésus vini pour dire non, pour le faire nous songer que nous devons gagner la foi dans lui. Dans moment difficile yo, c'est pas peur pour nous peur, c'est pas l'esprit nous pour nous quitter à remuer, mais c'est plutôt faire bon Dieu confiance. Dis bon Dieu dans samier là, m'a sorti quand même parce que m'gonon avec. Et monsieur Yorele, Jésus, maître. Il y a des situations, et ça fait, ouais, l'on a parlé, il faut nous prendre l'habitude de dire bon bagaille avec bouche. Non. Pour bon bagaille toujours à sortir dans bouche. Non. Il y a deux monde avec ce mieux, qui tellement aime jouer. Les moments qui tombent, ou bien les gens ont un problème, ils ne pas dit Jésus, non? C'est ça mal là, ils ont dit, ils ont dit. Je dis, bon, je ne sais pas trop quoi dire, mais c'est parce que souvent, vous prenez l'habitude de répéter ça qui mal. Si vous ne pouvez pas tomber, vous dites, Jésus, vous avez saisi pour vous. Vous avez fait ce que vous avez fait. En plus, le monde qui est dans la situation, même le monde qui n'a pas jamais voulu Jésus, qui n'a pas jamais voulu entendre parler de Jésus, à minuit, 1h du matin, vous prenez un rond. Et puis, vous êtes content de yon moun, ou bien y a passé devant l'église, vous avez appelé Jésus, ou bien madame, yon Mario, a parlé de Jésus. Yon dit Jésus, et la même. Car yon situation yon sauvé. Car le nom de Jésus veut dire Dieu qui sauve. Mon Dieu capable de sauver. La foi. Et je dis à femme son mieux, l'église a fait mémoire de yon potori garçon, qui est Saint Thomas d'Aquin.
un religieux italien de l'ordre dominicain, mais qui était accepté by Tetli pour servir mon Dieu. Un grand philosophe, un grand théologien. Et là, nous parlons de philosophe, nous dit que c'est un homme d'érudition, c'est un homme qui avait foi et conscience bien formées. Un philosophe, c'est un éclaireur de la cité. Un philosophe, c'est un penseur, un monde qui a réfléchi pour que la cité, pour que la ville, pour que le pays aime aller bien. Un philosophe, c'est un humaniste. Un philosophe, c'est un monde qui aime le monde. Et ça fait mal. L'entendre, un chef gang, il était fait philosophie ou bien autant de lui passer dans l'université. Qui université? Un philosophe avec ce mio, c'est un monde qui toujours a cherché le bien-être. Bien-être pour lui-même, bien-être pour ses proches, pour ses semblables. Saint Thomas d'Aquin, il est arrivé à faire combinaison ça, liaison ça entre fides et ratio, foi et raison. Souvent, il a toujours dit que le philosophe, eh bien, ou pas besoin de la foi. Il y a un monde qui a lu, il y a un monde qui est versé dans la science, il y a un monde qui a cherché qu'on est dans ce qui est écrit ou dans ce qui existe, il n'y a pas besoin de la foi. Saint Thomas d'Aquin, il peut surprendre, il peut saisir ses contemporains. Et dès lors, non, avec ses écrits, à travers ses écrits, pral perdurer à travers le temps. Non, pral résister à l'usure du temps. Ses œuvres pral tourner chemin, route pour tout l'autre philosophe qui pral vin après lui. Les mêmes qui étaient remélis Aristote. Aristote qui était un philosophe de l'Antiquité. Mais il pral vini pour transformer la pensée aristotélicienne. Pour lui faire une sorte de créature nouvelle pour que nous-mêmes, je ne le dis pas, nous capables de puiser à travers ses recherches, à travers ses œuvres. Pas qu'un philosophe, je ne le dis pas, pas qu'un penseur, un théologien, je ne le dis pas, qui ne connaît Saint Thomas d'Aquin. Lui veut dire que la foi avec raison, mais c'est deux ailes, un seul avion qui pour aider nous rester en équilibre. Avion 1, tant que Zoazoa, il a besoin de deux ailes pour le capable de rester en équilibre, pour le capable de faire outre. L'homme, nous-mêmes, créatures de Dieu, nous gagnons la foi, nous gagnons la raison. Et il veut faire mixage ça, il veut faire équilibre ça, pour que l'homme, le philosophe, soit un homme équilibré. Et c'est ça oui qui fait ce monde, ou c'est un monde qui est équilibré, ou qui a fait la part des choses. La foi et la raison, c'est deux réalités ça ou que frère mieux, ce mieux. Nous tous nous portons dans nous. Même là nous pas rendons compte de ça, même là nous pas conscients de ça. Il parlait de la foi et raison pour capable être en équilibre. En équilibre contre qui ça? Contre deux grands écueils. Le rationalisme et le fidéisme. Ou capable kembe raison en net, et l'on kembe raison en net, ou vin trop rationaliste. C'est comme si m'dadou, c'est pour raison ou parler seulement, oublier la dimension de la foi. Or, l'homme est un être éminemment religieux. Rationaliste, ou plonger dans la raison uniquement, ou plonger dans la raison simplement oublier la foi. Et l'autre écueil, la foi. Si c'est la foi seulement qu'on met, eh bien, ou plonger dans le fidéisme. Ce qu'il faut éviter, oublier raison. Eh bien, c'est Thomas, il faut équilibrer la foi et la raison. Côté la foi faiblie, eh bien, la raison vini. Alors, côté la raison faiblie, la foi vini pour lui puncher, pour lui booster, pour qu'on met. Ça clair. Comme avec ce mio, dans l'évangile matin, rationnellement parlant,
Est-ce que on monde ka longer mel sous la mer? On l'a mec té plein vent, vague yo qui t'a tourné pour vague yo suspend tourner. Avec raison, on monde ka fait ça? Non. Avec raison, rationnellement parlant, comment on peut expliquer que Jésus mourit, li enterré et puis li levé bien vivant? On peut expliquer avec la raison. Est-ce qu'on peut expliquer les miracles que Dieu, que Jésus a accompli lors de sa mission? On peut expliquer, sont capables d'expliquer comment? Et ça, c'est avec la foi. C'est avec la foi. Comment on peut expliquer sous le caillou? Et puis, autant de petits loups qui ont battu pour dire, au nom de Jésus, c'est pour tomber. Et puis, après, ils sont dans l'air, ils tombent. Pip! Rationnellement, qu'a expliqué ça? Non. Comment qu'a expliqué? Il y a une fille, un garçon qui a un cancer. Et puis, qu'a suivi méticuleusement un médecin, un traitement, un médecin. Et puis, il est venu. Après, Jésus vient manifester compassion, il remet le bouli. Après ça, il est allé. Le médecin a dit, médecin, côté malade a passé, côté maladie a passé. Rationnellement, qu'a expliqué ça? Non. Scientifiquement, qu'a expliqué ça? Non. Seule la foi peut tout dire. Seule la foi peut vous expliquer à mots clairs ce qui vient d'être fait, ce qui vient d'être réalisé. La foi. Jésus dit nous ça. Faut nous gagner la foi, faut avec ce mieux. Dans la première lecture, c'est par la foi que Abraham a offert en sacrifice son fils Isaac à Dieu. Par la foi, c'est ses frères bien-aimés. Certes, nous avons besoin de raison pour nous dire que, mais si l'appli a tombé, on n'est pas obligé de tomber ou bien entrer en bas de l'appli, poum, vient la prière. On a la prière la caille. Ça, c'est la raison. C'est la raison qui nous faut comprendre que, eh bien, si je viens de l'église, je suis en train de tirer, moi, la rue n'est pas bon, je n'est pas obligé de risquer la vie. Parce que ce n'est pas ça, bon Dieu, mon Dieu. C'est ça qui fait que nous sommes chrétiens qui sont solides. C'est ça qui fait que nous sommes chrétiens équilibrés. Saint Thomas d'Aquin, homme de Dieu, homme de foi, homme de lettres, homme de science, il fait nous comprendre que avec étude nous, avec toute compétence, avec toute capacité, potentialité, mon Dieu, nous faisons pour nous servir, mon Dieu. Et Jésus, lui-même, c'est ça l'abtonne nous. Lui-même qui est toujours avec nous. Lui-même qui ne peut jamais laguer nous. Les bacs, la vie nous bouleversés, qui laisse nous brûler? Jésus. Les nous sentir nous gain problème qui laisse brûler Jésus. Les nous sentir la vie nous menacer qui laisse brûler Jésus. Et Jésus, il est toujours là. Il sera toujours là. Il ne nous abandonnera jamais. Jésus ne tient toujours ses promesses, il tient toujours ses promesses. Il est fidèle à ce qu'il nous dit. C'est peut-être ça fait avec ce mieux en nos propres coutumes. Abandonnez-nous dans mes Jésus, abandonnez-nous dans mes bon Dieu. Quittez la foi, nous grandir. Et à chaque moment, à chaque habitude, la prière dans le cœur nous. Avec des prières jaculatoires. Dieu, sauve-moi. Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, protège-moi. Protège ma famille. Protège mes enfants. Protège tous les êtres qui me sont chers. Protège tous les Haïtiens. Seigneur, libère-moi. Ça, ce sont des prières que, de temps en temps, nous sommes capables de faire dans le cœur. Et m'assurer nous faire mieux, ce mieux. Si de temps en temps, nous faisons prier ça, dans un moment difficile, c'est le mot ça qui vient dans la bouche. Nous. Et Dieu, qui envoie ses anges, qui envoie ses saints, qui envoie ses dominations, ses principautés, pour nous protéger, eh bien, nous serons toujours bien gardés par ce Dieu qui nous aime et qui nous aimera toujours. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.
Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur Dieu, ce sacrifice que nous t'offrons de grand cœur en la fête de Saint Thomas d'Aquin. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant ta louange. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce,
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Sur chacun, sur chacune de nous qui participe à cette messe. Sur tous nos frères, toutes nos sœurs qui se recommandent à nos humbles prières. Sur nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, sur tous les amis de la paroisse, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux-là qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux dans leur vie, particulièrement ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Anthony, Jean-Camille, Auguste, Dame Jolissa Pubien, Fabiola François-Paul, Ginette Lezeau, Irvens Abelard, Jean Cordon Paul, Jeannette Saint-Fort, Jeffrey Séjour, Junior Victor Paul, Kwame Antoine Jean-Paul, le Chama M. Germain, membre du groupe Les Servants et Servants, Les Servantes et Servants de la Vierge Altagrâce, M. Jean-Guy Magali Jean-Alcinor, membre du groupe Les Servantes et Servants de la Vierge Altagrâce, Marie-Gilbert, Béatrice Sérimé, Mika Firmin, Preston Gauthier, Rose Marie-Joseph, Sandra Delva, membre du groupe Les Amis de Marie, Victor Junior Paul, Jeanne Constant, sur tous ceux qui participent à cette messe à travers les réseaux sociaux, particulièrement RDA, nous implorons ta bénédiction et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec notre peu de foi, disons la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Non. Qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus, ô mes moutons, bon Dieu, péché sauteur, n'aie pitié pour nous, n'aie pitié pour nous, n'aie pitié pour nous, n'aie pitié pour nous, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sais où même mon ton bon Dieu, qui où était péché sauteur. Apprenons bien vivre ensemble. Apprenons bien vivre ensemble. Apprenons bien vivre ensemble. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparer le droit. Amen. Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est pas vivant, mon Dieu, voyez, paye, pas pliant, mon Marie, hôtel pour nous.
c'est Jésus qui est, Jésus qui s'est fait vivant. On devrait pas être prié. Maman Marie, ôtez pour nous. Maman Marie, ôtez pour nous. Maman Marie, ôtez pour nous. Maman Marie, ôtez pour le Seigneur. Ce que tu fortifies, Seigneur, par le Christ, pain vivant, forme-les aussi par le Christ, le seul Maître, pour qu'en la fête de Saint Thomas, ils soient instruits de ta vérité
et la mettre en œuvre dans la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Saint Thomas d'Aquin, priez pour cœur immaculé de Marie. Priez pour nous qui avons recours à vous. Cœur sacré de Jésus. J'ai confiance et j'espère en vous. Notre-Dame d'Altagrâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Joyeux anniversaire de naissance à Anthony Jean-Camille, Auguste, Adéam, Julissa, Pubien, à Fabiola, François, Paul. Bonne fête à Ginette Lezot, Irvens Abélard, Jean Gordon Paul, Jeannette Saint-Fort, Jeffrey Séjour, Junior Victor Paul, Kwame Antoine Jean-Paul. Bonne fête à M. Jean-Guy. Bonne fête à Marie-Gilberte Béatrice Sérimé, à Mika Firmin, à Priston Gauthier, à Rose-Marie Joseph. Bonne fête à Victor et bonne fête à Jeanne Constant. Non dit heureux et béni anniversaire à nos chers amis, membres du groupe, les servantes et servants de la Vierge d'Altagrâce, le Chama Germain, Magali Jean Alcinor, et bonne fête à Sandra Delva, membre du groupe, les amis de Marie. Côté nous hier, nous disons bonne fête, nous tous et nous chaque. C'est pour grâce, bénédiction, l'amour bon Dieu, pas jamais suspendre, tomber sous nous. Nous besoin pour nous grandir dans la foi, femme avec ce mieux. Pour que, tant que Saint Paul pour nous dire, eh bien, dans la vie, tant qu'on a la mort, c'est pour Christ là, nous. Et si nous vivons comme ça, nous va vivre bien. Nous va vivre pendant nous abandonner nous, dans le bon Dieu. Les mêmes qui voyagent sous nous, les mêmes qui vivent sous nous, et les mêmes qui battent nous. Ça nous a plus besoin dans la vie. Non? Protection, bénédiction, bon Dieu, avec nous toutes et nous chaque. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.